John Chandos, aussi nommé le plus grand capitaine des Anglais, est un militaire des plus respectés pour son intelligence et son maniement des armes. Petit noble du Derbyshire, il avait moins de 20 ans lorsqu'il se fit repérer par son roi, Édouard III, Plantagenet. Apprécié pour sa sagesse et son talent militaire, il devint rapidement conseiller royal, puis formateur du jeune Édouard de Woodstock, celui qu'on appellera le prince noir. Bataille après bataille, il commanda les armées anglaises aux côtés de son disciple et mena nombre d'hommes à la victoire. Il affronta puis captura Bertrand du Guesclin, un capitaine français hautement réputé et pour lequel il avait une grande admiration. Ce fut alors un respect partagé par les deux hommes, respect qui se renforça à chaque fois qu'ils se retrouvèrent face à face sur le champ de bataille, d'Aquitaine jusqu'en Espagne. Rien ne laissait pourtant prévoir sa mort. Peu après une glorieuse promotion au rang de sénéchal du Poitou, il se fut pris dans une dangereuse escarmouche. C'est Guillaume Boitel, un chevalier français, qui le blessa grièvement d'un coup de lance dans le corps. Il mourut le lendemain, laissant deuils et regrets à son roi, son prince, et même son rival, Bertrand du Guesclin. Malgré qu'il eût pu être mon ennemi, je continuerai de conter la légende du sage et du guerrier, John Chandos.